Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur le Pédiluve. Et aujourd'hui, pas de terme, un épisode spécial dont on parle depuis un certain temps. On va faire un jeu de société, on va jouer à Atmosphere, un jeu qui est sorti dans le courant des années 90. Alors moi, personnellement, je n'y avais pas joué, j'avais joué à la version Star Wars. Mais surtout, on ne va pas y jouer que à deux, puisqu'on va y jouer à quatre avec des invités. Bonjour, bonjour Alex, ça va bien ? Qualité. Bonjour. Ça va bien, tranquille ? Top. Ouais. Comme à chaque fois que je suis avec vous. Ah ben merci, effectivement. Alex, on t'a déjà vu dans plusieurs épisodes de JDG. T'étais là, tu faisais Carmen Sandiego, tu faisais, je sais même plus dans quel épisode, t'étais là, Castlevania. Dans tous, plus ou t'étais moins. Là, oui, c'était dans tous les derniers épisodes, plus ou moins. Et tu connais Atmosphere, toi ? Ouais, j'y ai joué il y a un quart de siècle. C'est ça, parce que tu es très vieille aussi, il faut absolument, le dire. Voilà. Absolument, absolument. Voilà. Ouais, je suis bien plus vieille que toi, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Oui, je pourrais être ta mère. Ah oui, oui, bien sûr, mais d'accord, ok. J'ai eu un doute. On fera un test après le tournage, y a pas de problème. Et ça te fera des bonus dans le jeu, hein. C'est le plus vieux des bonus ou des malus. C'est pour ça que je demande, mais tu vas nous expliquer les règles dans quelques instants. Et on est avec Pierre, salut Pierre, ça va bien ? Salut, ça va super bien. Alors toi aussi, on a l'habitude de toi, à force, ça me ressemble. À toutes ? Tout, ouais, plus ou moins, ouais. C'est dans mon contrat, je suis obligé d'être contractuellement présent. Mais t'apparaît pas, ouais, tu ranges des câbles ou du matériel, tu dors dans les locaux. Je dors dans les combles, ouais. Et du coup, toi, tu connais Atmosphere ou pas ? J'ai joué il y a 5 ans, mais ça me faisait chier dessus quand j'étais petit. La pub à la télé. Quelle version, le premier ? Le premier avec. On va jouer à celle-là ? Au tout premier, donc la version originale. La pub à télé, elle était terrifiante. La pub qui est très connue, hein, c'est avec la grosse voix qui fait Atmosphere. Truc comme ça, je me souviens pas du reste. Mais c'était probablement une très bonne pub. Le principal, je pense. Atmosphere, le premier jeu de société vidéo interactif. Atmosphere. Et donc Seb, c'est ton jeu là-bas ? Ah bah moi non du tout. Tu l'as compris. Ah oui, bon. Je l'ai acheté pour l'occasion. Juste acheté, non, moi j'ai beaucoup insisté pour le faire parce que voilà, c'est un truc qui me tenait à cœur et c'est histoire de renouveler un peu l'intérêt du Pédiluve. C'est un truc de qu'on faire avait. Un truc de temps en temps. De faire des jeux de société. On l'avait dit, jeux de rôle, jeux de société. Enfin voilà, tout était permis et possible. Et ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup parce qu'à l'époque c'était un peu le futur parce que c'était un jeu interactif parce que non seulement il y avait un jeu de plateau un peu horrifique machin donc catégorien c'est cool, mais t'avais une VHS. Je sais pas si on peut la montrer. Elle est juste ici. Pierre, je suis désolé, fait faire en même temps tout sous contrat. Donc voilà, une VHS donc parce qu'on devait on doit se caler sur le rythme d'un personnage qui est le seigneur des clés et c'est lui qui dirige un peu la partie. Et tout en restant dans une ambiance un peu horrifique parce que le personnage principal, donc le seigneur des clés, dépérit au fur et à mesure qu'on évolue dans la vidéo. Et il y a ce sentiment d'urgence aussi parce que la partie est limitée à une heure en fait, 60 minutes. Donc on peut pas toucher la cassette, on doit laisser dérouler jusqu'à la fin. En gros, nous on va jouer au jeu et en même temps il va y avoir une vidéo qui va défiler derrière qui à l'époque se mettait sur la télé, sur la VHS. Exactement. Et donc c'est la partie dure une heure et au bout d'une heure c'est fini. Voilà. Qu'il y ait quelqu'un qui ait gagné ou que personne n'ait gagné, au bout d'une heure c'est fini, la VHS ça dure une heure. On peut ne pas gagner. C'est souvent le cas, hein. C'est parce que vu qu'on joue un peu dans l'urgence, on a du mal à retenir les cartes bonus qui nous servent et tout, on panique un peu et puis il y a plein de pièges sur le plateau. Mais c'est ça qui est fun, moi c'est pour ça que j'aime. Tu peux nous expliquer les règles justement ? Alors voilà, les règles sont très simples, donc là pour le coup on est 4, donc nos 4 pions là autour du plateau qui va servir au début, juste le parcours extérieur va être utile parce que c'est comme un jeu de loi, on va évoluer sur des cases et selon les cases, dans le sens des aiguilles du montre. Hein. Exactement, avoir des bonus ou des malus qui sont sur la table un peu comme le Monopoly, des cartes chance, des cartes destin et des cartes temps. Et le but, c'est de récolter 6 clés qui sont ici. Est-ce qu'on les voit ? Je ne sais pas. Moi, j'en vois 4. 6 clés. Attention de ne pas montrer en dessous, parce qu'il y a des bonus liés aux clés. Ouais, voilà. Okay, ils peuvent être pratiques, donc évitons les conneries. Donc voilà, les clés sont liées à nos couleurs, bien évidemment. Okay. Et une fois qu'on a 6 clés, on pourra prendre les chemins qui sont intérieurs et qui vont nous permettre d'accéder aux cartes cauchemars qui ont été distribuées à vous autres. On a écrit, chacun a écrit et son chacun cauchemar. Chacun a écrit son cauchemar dessus. Voilà, donc c'est le côté un peu rigolo du truc. Donc le but, c'est d'arriver sur la case, faire un 6, retourner la carte. Si c'est ton cauchemar, tu as perdu. Okay. La partie continue, c'est-à-dire les autres joueurs peuvent essayer de terminer et de faire la même chose. Par contre, si ce n'est pas le tien, tu as gagné et tu dois te ruer vers le magnétoscope et appuyer sur stop et gagner la partie. On joue pour une association ou pas du tout. On joue pour qui ? Non, je sais pas. On gagne quelque chose pour notre gueule. De toute façon, il y a rien à gagner ici. À part le plaisir d'être ensemble. Le fun, non, peut-être. C'est quelqu'un allait le dire, non ? Ça se joue avec un D6. Le fun, c'est bien. Simplement. Pardon ? Ça se joue avec un seul D6. Un D6, tout simplement. Voilà, tout à fait. Et il y a juste une étape qu'on doit encore accomplir, c'est piocher un chiffre. C'est qui va définir l'ordre dans lequel on va jouer ? Pas forcément, mais c'est une voiture dans un saladier.
barbier. Non, c'est ça. On met un bandeau, il y aura une piñata qui va arriver. Non, non, mais c'est à la fin, je veux pas tout divulgacher, okay, bien sûr. Je connaissais non, pas non, ça, mais ça va permettre au Seigneur des Clés de nous donner des bonus ou des malus selon notre... Par exemple, il va venir le joueur numéro 4. Okay, exactement, c'est ça. Exactement. Okay. Okay. Et si jamais, parce que ça se joue à 6, si jamais il dit le joueur numéro 5 fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la... Ah, c'est possible, tu crois? Bah, je sais pas. J'ai jamais vu. Enfin, je ne crois pas, non, pas. Je crois que c'est bien fait. Je crois que c'est bien fait. Il me semble que. Non, ils, ils disent le joueur à votre droite. Mais je n'ai pas regardé la VHS pour pas me spoiler la partie et ne pas tricher. Moi, je m'en souviens, ils disent le joueur qui est à votre droite ou à votre gauche. Il y a pour, ça aussi, ouais, voilà. Ouais. Il y a le plus âgé, le plus jeune. Il y aura comment le souffre-douleur aussi qui sera déterminé par le Seigneur des Clés. Voilà, il y a quelques subtilités voilà, qui ne sont pas dans les règles. Très bien. Mais ça va être la panique, mais ça va être la joie. Mais voilà. Principalement, donc récolter les clés. Donc, du coup, attends, il faut que je. Il faut que je mélange les cartes. Ouais, mélange, voilà. Voilà, hop, hop. Il est tellement beau ce décor. Ton cauchemar au-dessus. J'en sais rien, de toute façon, aussi lié, il était. On peut faire un point sur le décor ? Ouais, non, mais il faut remercier Ben et Nico parce que c'est un super décor. On est dans un vrai cimetière, non ? C'est des fenêtres, en fait. Dans une vraie piscine. Ouais, oh. Les locaux JDG, c'est pour ça que c'est pas cher. Voilà, voilà. Bah, let's go, on tire les pions. Donc, c'est parti. Donc, qui commence ? On sait pas. Allez, bah, vas-y. Alors, attends. Je te laisse. Il y a qu'un seul truc dedans ? Ah oui. Ouais, ouais. Il y a des petits. C'est des petits. Bah, vas-y, à toi l'honneur. Bah, petit jeton carré. C'est moi, Anne, merci. Effectivement. Un de chanfreine. Voilà, 9. 6, pardon. Ça veut dire quoi ? Bah, que je suis numéro 6. Non, c'est le plus fort. Tu peux le coulisser sous ton pion. Tu as une petite encoche pour le mettre. Ah. Et donc, toi, tu es. Face. Moi, je suis 3. Tu es face ? Ouais. Ah non, c'est 4. 4, pardon. C'est qui ton personnage ? Le blanc, c'est moi, qui c'est ça? Et là, c'est un docteur. Le baron samedi. C'est quoi? C'est. C'est un zombie, je crois, Daniel un zombie, Gélin, là, monsieur. Zombie, Daniel Gélin. Daniel Gélin, le fameux zombie. Bah, c'est vrai que c'est. C'est un zombie surconnu. Et le 5 pour moi, voilà. Ok. Khufu, et bien sûr, la momie chrétienne, hein, tout le monde la connaît, bien sûr. Voilà, mais évidemment, le t'as jeu. J'ai le plus grand, j'ai le plus petit. Il y a un moment, ça va merder. Ouais, peut-être, t'as raison. Mais du coup, le jeu ne serait pas le même, surtout sans le maître des clés. Effectivement, donc là, je pense qu'on est ready. On a les clés à côté, on a tout ce qu'il faut. On peut lancer la vidéo. C'est parti. Ouh. Le maître des clés, attention. On va regarder des épisodes d'Highlander. À voir et à revoir. Prochainement. On va voir la bande-annonce de Rombo 3. Cassette, rien que le terme cassette vidéo, déjà, c'est trop bien. C'est parti, attention. Portez le son, puis c'est lui. Ça fait peur. Un flelou. C'est un enfant ou ça fait partie du truc ou quoi? C'est pas moi. Qui a ramené ces marmots? Nico, c'est toi? Ah, j'ai pris mon gamin, excusez-moi. Il est dessous, là, tout à l'heure. Je l'avais oublié. Quand tu veux mettre les clés. Très lentement. Putain, ouais, c'est... Non, ils ont c'est dû faire pause. C'est le temps d'aller. Ok. Il reste plus que 25 minutes de jeu maintenant. Alors, on a envie de jouer à mon jeu. Selon mes règles, je suis le seigneur des clés. Non, c'est Padge. C'est moi, le maître de ce jeu. Et vous, vous allez obéir à mes règles. Lip-sync de ta... Quand je parlerai, vous arrêterez de jouer et vous m'écouterez. Je crois qu'il est biélorusse, là. Hey, il a... Oh. Je vois qu'on a bien attribué à chacun d'entre vous une couleur et un numéro. Si j'appelle votre couleur ou votre numéro, vous devrez répondre « Oui, Seigneur des clés !» Si vous ne répondez pas « Oui, Seigneur des clés !» quand j'appellerai votre couleur ou votre numéro, vous serez puni. Les dominatrix, le seigneur des clés. Oh, j'ai oui. bien envie de punir l'un d'entre vous dès maintenant. Avec mes pieds. Toi. Qui ça? Celui qui a le plus petit numéro. Oui. Allez, toi. Hop. Réponds-moi, Vermine. Oui, seigneur des clés. C'est bien. Terminé. Yes. Si tu n'as pas répondu à temps, oui, seigneur des clés, tu es banni. Ah oui. Pose ton pion sur la plus proche fosse commune. Non, c'est bon.
Tu ne joueras pas jusqu'à ce que je décide de te relâcher. Ah oui, c'est si, j'ai pas répondu. Oui. Mais si tu m'as répondu immédiatement... Il est misogyne, tu as appris ma première leçon. Meuf, du coup. N'oubliez pas, car vous serez tous appelés et tous mis à l'épreuve. C'est la voix de qui ? Commençons la partie avec toi. Toi. Moi ? Qui a le plus grand numéro ? C'est moi. Réponds-moi ! Oui, seigneur des clés ! Plus fort ! Oui ! Tu seras le premier à jeter le dé. Le dé. Allez. Et à pénétrer dans mon jeu. Le premier à pénétrer, c'est moi. Et dans ton cauchemar. Oh, j'ai peur. La morphine, j'ai une pêche. J'ai peur qu'il aille trop loin. 5. Allez, okay. C'est parti, dans le sens des aiguilles du montre. Oui, c'est bien. 1, 2, 3, 4. J'ai hésité. C'est quoi? Carte de temps. Ouh. À 57 minutes 10. Ah, je dois le dire ou pas? Je sais pas si tu peux le faire voix haute ou quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le timer, donc tu dois la mettre de côté. Ok, attends. Si je dois le dire, je pense. Ok, non, si, il faut que je. Pense-en une autre, peut-être? Non, c'est bon. C'est juste, il faut que je le garde pour moi, mais il faut que je m'en souvienne. Ok. Joueur suivant. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vas-y. Ouais. Mais t'as pas le droit de jouer, toi, non? Il l'a pas dit. Si, j'ai répondu. Ok. Faut continuer, hein. Okay, c'est okay. Faut attendre qu'il. Enfin, il va revenir, quoi qu'il en soit. Temps. Carte temps. On peut être plusieurs sur la même case aussi, hein. Ok. Pour préciser. Okay. C'est la voix de qui dans. C'est pas un doubleur de Batman? Je l'ai pas reconnu. Ah, peut-être, ouais. Quand il va revenir, tu vas dire Batman, alors à toi de jouer. Ah, c'est lui. Ok, t'as c'est à toi. À moi. 3. Attends, c'est une musique d'attente d'une voyance. 3. Par téléphone. Prenez une clé si vous êtes le 1. Bah, je suis le 4. Voilà. Donc, je fais rien. Donc, c'est non, oui. Ok. Super ce jeu, hein. Merci de m'avoir invité. Merci, cassé, on est d'accord. Non, il était cassé, moi je l'ai. Bon, 4, de toute façon, c'est vrai, voilà, la même chose. 1, 2, 3, 4. Elisabeth Battery! Alright. Elisabeth Battery? C'est le nom, oui. Non, ah, c'est le nom d'un joueur en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis chez Elisabeth. Hein. C'est assez relaxant, je trouve, la musique, tu vois, j'ai l'impression d'être dans un spa. J'aimerais bien, exactement. Chance! J'aimerais bien qu'on masse les pieds ou un truc comme ça, non? Ok. Demandez en régie, qu'on aille peut-être là. Spa de Battery, ou de l'encens. L'autre moitié pour gagner une clé. Oui, voilà. Ok. Tu as un bout de clé. Okay, donc il y a une épreuve dans Fort Boyard qui où il y a un peu ce genre de musique. Dépêche-toi d'aider. Vite sur la tombe. À qui de jouer? Qui s'apprête à jeter le dé? C'est moi, seigneur des clés. C'est moi, seigneur des clés. Tellement poucave. C'est elle. Terminé. Si tu n'as pas répondu à temps, oui, seigneur des clés, tu devras faire un 6 avant de pouvoir rejouer. Chef. Ça va, t'as répondu là, du coup. J'avais lancé le dé, on compte. C'est juste, il a fait, j'existe. Ah les gars, j'ai une idée. Ouais, regarde ce jeu, 5 du coup, ouais, toi tu es le blanc, ok. Je peux te le faire si tu veux. Destin. Jouer à destin pour changer de vie. Ouais, on fait ça en changeant. Faudra qu'on fasse ça. On avait prévu tous les clés. Juste pour se faire chier à faire une méga mise en scène et dès le début. Se tourne. Ok, et du coup, je la planque et ouais, je la dégaine. Je pense. En fait, pour expliquer, c'est comme des cartes où on te dit oui, à tel timer, il faut faire un truc et si ça réussit, et tu voilà. C'est la plus grande difficulté, il faut s'en rappeler. 4. La carte ne compte plus si tu dépasses, trois, évidemment. 4, Sida. Destin. Non, c'est attends, ça. Merde. Carte Sida. Foufou, c'est chez moi. C'est quoi, Foufou? C'est moi, c'est la momie chrétienne. Mais je dois faire quoi? Rien. Non, t'es chez moi. Je fais rien, alors. Par contre, non, il y a des cartes... Je vous libère de la fosse commune. Voilà, c'était dans la fosse commune. Ok. Il y a des cartes où tu peux avoir des malus. Si il sort une carte, par exemple, Destin qui dit « Oui, si t'es chez moi, tu prends une clé moins, un truc comme ça. » Et il coupe la parole, comme ça, inopinément. Exactement. 2. Carte Tain. Alors. Ok, bon. C'est bon? Ça fait peur, vas-y. 55 minutes, attention. 2. J'ai peur. C'est quoi là? 2. C'est rien, c'est un bout de tombe. C'est quoi, tombe? Gévaudan. Gévaudan. Ah oui, d'accord. Bon, bah, oui, voilà, il y a le loup du Gévaudan. 2. Si vous voulez bien vous donner la peine. C'est le blanc. 2. Chance.
Bonne chance. Bonne chance. Moi aussi, j'ai une moitié. Stop ! Ceux qui sont sur une tombe marquée d'une croix, gagnez un tour. Une tombe marquée d'une croix ? Non, ouais, tu vois, le... Ah, okay. Personne ? Merci monsieur hein, pour cette intervention. Arrêtez la foudre la prochaine fois. Ah, c'était à qui du coup ? À moi. Hop. Je fais vite, sinon il va revenir. C'était moi. Ouais. Un, deux, bah, bah, la croix, c'est maintenant. J'étais à ça. T'as ça d'avoir un truc. Juge. Un, deux, destin. J'ai pas de lire. Ok. On pourrait dire l'horoscope en attendant, parce que c'est la musique appropriée pour le faire. Sagittaire. Sagittaire. Vous aurez des journées difficiles. Mais tout ira bien. Pour les béliers, attention. Ah. Attention aux condiments trop riches. Rien du tout. Attends, je crois que je viens de me rappeler d'une règle, en fait. Je crois que si on tombe sur le tombeau de quelqu'un, s'il se passe un truc. Ah bon ? Ouais. Mais bah je suis pas sûr. Bah tant pis, ça compte pas. On change les... Stop ! C'est toujours toi. Ceux qui sont sur une tombe marquée chance, prenez le dé. Batman. Jetez-le. Qui chance. Si vous faites votre numéro, alors, dis-toi. Vous pouvez prendre une clé. Ah. Alors ça tombe bien justement. T'es pas sur une carte de chance. Bah si non. Ah si. Si si si. Oui oui oui. Vas-y. Tu dois faire ton numéro. Raté. Ah, quel dommage. J'étais la seule. Il est parti. Il attend même pas. Mais du coup, je joue ou pas? Bah si, tu dois jouer. Oui, ouais, je pense que tu dois rejouer. C'est un mini-jeu exceptionnel, ouais. C'est un mini-jeu. Suis. Pardon. Ça va faire 10 deux. Minutes, toujours pas de deux. Clé. 1, 2, prenez une clé si vous êtes le 4. Je ne suis pas le 4. Moi, je suis le 4. Et bonne journée, bisous. Mais non, mais... Ah non, c'est dommage. Ça, c'est... Ah d'accord, ouais. Donc j'ai pas de clé. Pour l'instant, il reste 50 minutes, on n'a pas avancé non plus. Voilà. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a rien sur ma On ne tombe que sur les cases où il se passe rien. C'est vraiment pour le fun, Pierre. 5. Est-ce que tu peux déplacer mon bureau ? C'est le rouge. Ouais. Je sais pas, ça compte pour 2, ça. 5. Non, je pense que c'est une seule case. 5 ! Non, rien. Je libère ceux qui sont dans la fosse commune. Mais monsieur, faut les mettre dedans avant. On va commencer à jouer tous ensemble. Alors ? Jetez le dé. À okay. Tour de rôle. Vas-y, je commence. Ok. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y. 6. Mon temps est précieux. 4. Et le vôtre limité. 2, 6, 4, 1. Et du coup, on fait... Il va rebâiller, il va péter. L'Alzheimer. C'est pas qu'il est là. Quoi ? La main, qu'est-ce que toi je disais ? C'est pas la grande Terminé. Forme. Terminé. Il a fait un micro-AVC, je suis sûr. Si vous n'avez pas fini, c'est votre faute, pas la mienne. Voyons. Qui a fait le chiffre le plus élevé ? Hein ? Réponds-moi ! C'est moi, oui, seigneur des clés. Tu as des points Terminé. De retraite. Si tu as répondu à temps, tu peux prendre une clé. Ah, bravo. Sinon, tu viens de laisser passer une belle occasion. On vous rappelle que l'abus d'alcool est... Quant à celui qui a fait le chiffre le plus bas... Oh, putain, c'est toi. Réponds-moi. Oui, seigneur des clés. Tu perds un tour. Allez. Ah mince. C'est une bonne idée avec ce jeu, je suis content. C'est à moi du coup tour. Yes, bah prochain tour on joue pas quoi. Donc c'était à Fred là. Ah, ça va. On gagne une clé, c'est ça? Je sais pas. 4, bon, 4. Ah non, c'est que tu joues pas, je suis con. 4, 1, 2, 3, 4, 1, X. Normalement t'as un petit pouvoir sur la clé si t'as lu derrière. Des fois t'as un petit perk. Un petit... ouais. À toi. C'est, ça peut sauver des vies. 4. Faut le savoir. 2, 3, et je grimpe sur le 4. Attends, 1, 2, 3, 4. Ouais. Ok. C'est une case... Rien du tout. Y'a rien, ça change pas. Tu te fais trop chier. C'est à toi du coup. Ah, à moi. En effet, y'a un petit pouvoir magique qui va avec. Il faut le dire à voix haute ou pas, non? Bah, c'est tout dépend le contexte. Allez, donne-moi un 6. Ah, presque. 4. Est-ce que vous êtes de la team de pas compter les décassés ou ça va? Oui, apparemment. Ouais, moi je crois que c'est une seule case, hein.
Ah, c'est une case, 1, 2, 3, 4. Ouais. Non, 4, 4. Là, là, c'est... Je vois rien. C'est une case, ça, pour toi? Oui, oui, ça, oui. Stop! À qui de jouer? Réponse! C'est moi, Seigneur des Clés? Non, c'est moi, je saute un tour. C'est moi, oui, Seigneur des Clés! Donne-moi ton véritable prénom. Il a pas répondu. Frédéric Sauveur Henri. C'est vraiment ça, ton ouais, prénom. C'est vrai que Sauveur, c'est bien. C'est vrai? Oui. J'avais pas. Il devrait faire ça avec un bon. C'est à la limite du ridicule. Un pauvre larve. Réponds. C'est Nico déguisé, en fait. C'est pas une casette. Allez, Seigneur des Clés, oui. Prends le dé et jette-le. Tu le jettes? Combien as-tu fait? 6 Seigneur des Clés. Sauveur. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. C'est vrai. Z. Et tu as fait l'une des 6 premières. Quelle lettre est-ce donc? F. Non mais... J'ai... Si non, cette non. lettre F, se trouve dans F. ton prénom, tu oui. passeras autant de tours non. que le chiffre que tu as fait. Sérieux? Sinon, mais comme il t'a embrouillé. Prends une carte test. Tu dois attendre jusqu'à F. Sinon, je prends une carte destin. J'ai le choix. Ouais, mais là, t'as F. Non, non, t'as bouffé, là. Tu bouffes, hein. Ouais, j'ai bouffé 6 tours. Il a dit, ouais. Sinon, prends une carte destin. Sinon, prends une carte destin. Prends une carte destin. Moi, je prends une carte destin. Ouais, sinon, ça va être long. Vous êtes sûr, c'est ça? Après, il avait pas l'air d'être dans son état normal, ce monsieur, donc je suis pas sûr que... Il est pas bien, hein. Baron pas samedi, bien. Il est là ou pas? C'est moi. C'est elle. D'accord. Moi, je suis Daniel Gelin. Que puis-je pour vous? Ok. Oui, parce qu'en fait, c'est... les cartes destin, ça peut être des cartes négatives ou positives. Ok. Ça peut être un gage. Y'a des gages? Okay. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Du coup, bah t'as joué ou pas? Non, c'était, on était en cours de tour. T'as vraiment ouais. joué ou pas? On n'a pas vu ce qu'il y avait sur ma. J'ai pas, non, j'ai pas joué. Non, non, il a été interpellé. Je vous libère de la fosse commune. Merci. C'était pas à Pierre de jouer? C'est à Pierre de jouer? Non, 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 ça a sauté mon tour. Et ah oui, c'est vrai que tu sautais un tour. Il y avait raison. Rien. Ok, c'est à toi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Ouais, voilà, je crois qu'il y a des trucs qui s'activent, voilà. Si l'un de vos adversaires s'arrête sur votre tombeau, c'est moi, c'est toi, lancez les cul-têtes, envoyez cet adversaire dans la fosse commune si je... Si ça tombe sur la tête, c'est ça? Lancez les cul-têtes. Stop. Allez, tu vas lancer. Ceux qui sont sur une tombe marquée d'une croix, ne jouez plus jusqu'à mon retour. Non? Non. Okay. Je le lance en l'air. Non, voilà, je me suis pas trompé au niveau des règles, ça dépend en fait. Ça... Les malus arrivent à... Alors, sans que ça tombe par terre. Faut que ce soit la tête, ça ouais. Ah, t'as de la chance. Ok, ça va, cool. Ça veut dire quoi, c'est une bobine? En fait, si vous tombez sur ma tombe... Non, c'est une queue. Une queue. Ok. C'est une queue. Si c'est la tête qui sort, je vous envoie dans la fosse commune. Si c'est la queue... Ça fait sens, ça fait sens. 12 minutes, on n'a qu'une clé. S4. S4, S4 numéro 1. Stop! Je vous libère de la fosse commune. Ah non, je l'ai déjà dit, ça, non. Nous allons jouer. C'était là. Un nouveau jeu non, ça c'est deux. Ah, de bon mon bon. Invention. Ok, toi c'est ça. Ouais, rien. Toujours rien. Vous allez tous jeter le dé, chacun votre tour. Il s'est acheté des LED entre temps. Celui Jiffy. Qui fera le chiffre le plus élevé sera mon souffre-douleur. Ah, je vais essayer. N'oubliez pas, quand j'appellerai mon souffre-douleur, il devra d'accord. me répondre ou il s'en souviendra longtemps. Ah ouais, d'accord. Vas-y, joue. Ok. Enfin, c'est le plus petit qui est son souffle. Oui, maître. C'est ça bah, oui, j'ai fait c'est, un. Le plus, c'est le plus gros qui ah, fait... c'est le plus gros. 6. Ah, ouais, bah, duel entre toi et moi. Donc t'es sous le fond de l'heure. C'est l'un ou l'autre. Je monte tous les deux 6. 3. Tu vas faire moins que ça. Ouais, tu vas faire. Oui! Oui! Waouh! C'est moi la petite salade! Souffre-douleur! Viens me couper les ongles! C'est pour ça qu'il s'est un seul coupon dans la boîte! Il y a une câlin pour frotter la corne de talon ouais, du maître des clés. Je sais plus. On joue à quoi là? On joue à qui est-ce ça? C'est vraiment très relaxant cette musique. Ah, c'est pas mal. Le numéro que le poisson. T'es détendu. Vous êtes un poisson. Vous êtes une tortue. Ok, donc c'est. Ah ah. Toi, celui qui va jouer. Avec ta chemise tête de mort. Réponds. Techniquement, c'est toi, j'ai fini. Oui, c'est dur. Prends le dé. Allez, jette-le. Ouais, c'est fait. C'est fait. Seigneur des clés. Seigneur des clés. Quel chiffre as-tu fait? 3, Seigneur des clés. 1. Non, le 3. Pas un 3. Non, le 3, pas monsieur. Mal.
Relance-le. Je relance. Relance-le, ouais. Combien as-tu fait cette fois-ci? 6, seigneur des clés. Allez, relance-le encore une fois. Bon, ben. Oh, oui, donne-moi le chiffre. 5, seigneur des clés. Maintenant, additionne ces 3 chiffres ensemble. T'as l'alphabet et l'addition, ça, ils vont tuer. Si le total est supérieur à 12, 14. Prends une clé. Oh. Sinon... Oh. Ce sera pour la prochaine fois. On a dit pas les mamans, seigneur. Sinon, on va bien. Des clés, seigneur, j'ai des clés. 6, 5 et 3, donc ça fait 14. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je sais pas, ouais. T'as un bonus que tu peux partager ou... Tu peux choisir n'importe quelle clé, parce qu'il y a des couleurs différentes. C'est à qui maintenant? Non, mais tu dois prendre celles qui sont liées à tes couleurs. Ah oui, c'est... Moi, c'est la bleue, je suis bleu. Ouais. Ouais. Du coup, tu dois jouer vraiment, hein. J'ai joué ou pas? Bah, c'était ton tour. Ah, peut-être, du coup, faut jouer. Donc ouais, tu joues. 6... 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Destin. Très bien. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et. Fausse commune. Fausse commune, tout ça fait. Donc tu dis, c'est un tour, c'est ça, fausse commune? Allez, à tout à l'heure. Ah non, non. Jusqu'à ce qu'il se débloque. Tu l'annonces ou si t'as une carte ou. C'est quoi la porte du destin? Stop! Oh là là. Toi! Moi? Celui qui va jeter le dé, réponds. Oui, seigneur des clés, c'est moi. Dis-moi. Je viens de le faire. Qui veux-tu voir banni? Choisis l'un de tes adversaires. J'ai le choix. Je suis déjà ban. T'es déjà dans la fosse. Toi, t'es le souffre-douleur. Ce joueur est banni dans la fosse commune. Ah. Bah, désolé, mais il peut rester sur Twitch. Je te mets dans la fosse. J'arrête pas de morfler. Fred est déjà souffre-douleur, fallait que je choisisse. C'est la plus proche, elle est où? Y en a une là. Ok. C'est la plus proche, c'est celle-là? Bah sinon il vient avec moi dans la fosse commune là, hein. Ok. C'est dans le sens non des aiguilles, il faut faire à chaque fois comme ça. Moi j'avais joué avant d'être interrompu ou je sais plus. J'avais joué 3. Je suis où là? On joue à quoi? On joue à quoi là? Qu'est-ce qu'on veut? Ah non, j'étais en train de mettre le coup, d'accord, j'ai fait 3. Dépêche-toi! Ça c'est moi ça! Merde! Ah non, mais je suis. T'as vu quelle couleur ça, t'es? C'est moi aussi, pourquoi tu suis là? T'es rose. Ouais. Ah non, moi c'est le rouge, je me suis trompé, effectivement. T'es trompé, toi t'es là. Stop! À qui de jouer? Réponds! C'est lui, seigneur des clés! C'est moi, j'ai fait. Tu vas regretter d'être né! Jette le dé! C'est toi! C'est à Seb, c'est à Seb. À toi. Mais non, combien as-tu fait? C'est Fred, c'est toi. Mais c'est Fred. C'est moi? Mais oui, il est ban. Bon. C'est le nombre de tours que tu vas perdre. Oh! Vermine. Ah, ce bordel! Ouais, ça, c'est du bien atmosphère qu'on l'aime. Voilà. C'est atmosphère Dallas Edition. Je joue pas, donc c'est encore c'est à encore toi. Moi. Je suis le bourreau des 5. Du coup, on est quasiment au tiers, il y a que une clé. Ouais, on compte pas les cases tous pareil en plus, hein, c'est n'importe quoi. Oui, c'est le bordel. Gévaudan, ça fait rien. Gévaudan, non, personne n'est bête. Donc, non, je peux pas jouer. Non, donc toi non plus. Non plus, non plus. Non plus, bah c'est à moi. C'est le jeu de Pierrot maintenant. Et voilà, carte chance. Carte chance. Il y a des cases aussi qui permettent de libérer tout le monde de la fosse commune. Mais... On va pas y avoir droit, bien sûr, mais. Trouver l'autre moitié pour gagner une clé. Donc je dois attendre d'avoir celle-là pour avoir une autre clé. Ouais. Ok. Ah toi! Oui, toi! Celui qui va jouer! Réponds! Bon, c'est toujours moi, du coup. Oui. Tu es banni! Ah bah. Y'a plus que toi qui joue! Y'a plus que toi qui joue! Seigneur des clés, on a un problème! Du coup, qui joue en fait? Seigneur des clés. Bah, c'était une bonne émission. Seigneur, on a cassé le jeu. Seigneur des clés. Sors du studio. Seigneur des clés. Mais attends, qui joue là? Est-ce qu'on peut avoir une petite musique Jeopardy en attendant la réapparition? Après, toi, de... c'est limité normalement. Moi, je suis égalisé. T'as combien de tours? Toi, c'était 4 tours. Ah, vas-y, on triche. Parce qu'on est tous bannis. On est tous. Ouais. Toi, t'es dans la fosse et toi, t'es dans la fosse et. Ouais, moi, je suis banni. Et toi, t'es ban 4 tours et. T'as pas joué 4 fois. Toi, t'es banni comme. On dirait Twitch le jeu, quoi. On est tous ban. On est tous ban. On est tous ban. On s'est auto-ban, voilà. Seigneur des clés. Mais attends, non, je comprends. Vous êtes banni, vous êtes pas dans la. Si, vous soyez dans la fosse commune, non? Enfin, si t'es banni. Je sais pas si c'est la même chose, banni et fosse commune. Attends, c'est comme si on accélère les tours. Bah, attends. Bah, un tour banni, banni, banni. Un tour banni, banni, banni. Donc, c'est à moi de jouer le prochain, en fait. Vas-y, tiens.
C'est comme si on fait les tours à l'accéléré. Oui, oui, c'est ça. Ouais, allez. Deux. Non, c'est mon pion. Non, je libère les bannis de la fosse commune. Ah, c'est fosse commune. Et okay. J'appelle mon souffre-douleur. Ah, mais c'est seigneur des clés. Oui, seigneur. Pas Fred. Oui, maître. Toi. Oui, monsieur. Oui. Tu vas passer au pressing pour moi. Va m'acheter du dentifrice. Oh. Lève-toi. Mais et viens devant moi. Attends, c'est rouge. Je suis rouge, moi. Mais non, j'ai je suis bleu. T'es bleu. Très spécial. Fais attention, Fred, quand même, parce qu'il a l'air vraiment. Il s'est fait arrêter pour. Il a l'air instable. Juste entre toi et moi. Viens plus près. Je suis Xavier Dupont de Ligonnès. Que je te montre. Non. Ma fureur. Ah, ça va. Dégage. Ne reviens plus jamais respirer mon oxygène, espèce de larve. Oh, c'est mon papa. Désolé. Mais c'est vrai que tu pourrais le faire grimer, toi. Là, ça, désolé, ça monsieur. C'est ça. Désolé, monsieur. J'ai pas besoin de Fred, ça va. Ça va, mais il m'a donné une clé, donc ça va, il m'a juste gueulé dessus. Oui, mais ah, ça c'est va. Vrai, écoute, ouais, t'as deux clés maintenant. J'ai deux clés. C'est comme en enfance, j'avais des bonbons comme ça. Moi, j'ai une moitié de clé. Tu veux qu'on en parle, Seb? Ah non, mais... Ah, on est débannis, c'est bien. Si, il y a un numéro vert pour... Oui, je me permets de jouer, du coup. Pour parler à quelqu'un d'ami. Oui, un, deux, trois, quatre. J'aimerais trop qu'il y ait un numéro vert comme ça. C'est lui qui répond. C'est cellule psychologique. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas seul. Le suicide n'est pas une solution. Non, il travaille au drive d'un méga. Tu vois. Sur place, ou ouais, quelle okay. Sauce. Enfin, j'oublie les autres. La machine est cassée. C'est plus une snack fleurie. Espèce, gars. C'est à toi. C'est à moi. Toi, Pierre. Ok. 3. Et je suis... Stop. Les joueurs qui ont les pions violets, rouges ou bleus, répondez. Oui, seigneur des clés. Jetez le dé. Si vous faites votre numéro... 6. Vous gagnez une clé. Allez. Ah, on fait-le. Oui. Ah, je peux le refaire aussi, moi, parce que j'ai pas eu le bon numéro. Ah. Yes. T'as gagné une clé. Yep. T'es déçu, ouais. T'as gagné une clé. Tu t'es pas fait créer dessus, toi. T'es tellement dégoûté. T'as gagné une clé, toi. Ouais, sans humiliation. Ok. C'est pas mal, qui ça. C'est quoi? Ok. Tout est secret, alors. Ah, c'était moi, ouais. Moi, je suis... Non, je suis pas sorti encore, c'est à moi. Non, mais moi, j'ai joué, il m'a interrompu. Et du coup, t'as pas fini de jouer? Non, j'ai pas eu le temps de mettre... Vas-y, mais vas-y. Je sais plus que... Bon, je le refais, attends. Vite fait. 6. Ça triche, hein, je peux dire. J'avais fait 3. Ouais. Moi, je fais 3. Je suis le seigneur des clés. C'est le début. C'est ton carte de temps. Stop. Les joueurs qui ont les pions noirs. Blanc ou gris? Attention! Répondez! Monsieur oui, seigneur des clés. Jetez le dé. Je vous déteste. Si vous allez faites mourir. Votre numéro, vous gagnez une clé. Sérieusement? C'est ton numéro? C'est bon. Ok, ouais, c'est un spectacle. Voilà, je suis le 3 de moi et je vous embrasse. C'est à moi? Je peux juste sortir en fin du. Oh. Numéro 1. Ce n'est pas le cas, nope. Donc non. C'est à moi. 6. C'est les dents de la mer, ça. Ouais, c'est les dents de la mer. Ouais, c'est les dents de la mer. Là, votre vidéo est strikée, là. Si on la passe en accéléré, on est mort. Ok. Mais il faut c'est sourire. C'est vrai que tu joues toi à la belote, hein, écoute. C'est à toi. Voilà. Ah, pardon. Non, précisez bien. Ah à qui de jouer? Réponds. C'est à moi, seigneur des clés. Tu devras faire un 6 avant de rejouer. Oh, c'est tellement vénère. Ah, t'avais pas lancé, donc tu peux... Oh là là. Potentiellement, tu joues plus jamais, quoi. C'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Après, j'ai pas... on n'a pas dit que je devais vous rendre... 6... Le... 1, 2... Bah ouais, mais c'est le ouais. Je sais pas. 4. Non, mais bien sûr que non. Je cherche pas, bien et là. Sûr que non. Non, 6, temps. Ah oui, 6, ouais, temps, ça t'as raison, 6. Ceux qui sont sur une tombe marquée temps, perdez un tour. Ah. Oh.
J'arrive pas à comprendre. Je t'ai bien remis sur la bonne. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon. C'est, tu perds un tour. Tu écoutes quand on te parle, Pierre. Non, mais c'est super compliqué de retenir ce truc. Et après, il faut le remettre dans le. Non, non, tu le gardes avec toi. Je suis chez moi. C'est la case de qui? Je suis. Bah, c'est moi. Ok. À moi? Yep. Tu veux jouer avec moi? Là, il y a marqué. Ceux qui sont sur une tombe marquée d'une croix, gagnez deux tours. Ah, j'ai cru qu'il allait dire deux clés. Non. Nope. Bah, c'est à qui? C'est à toi, mais du coup, il faut que tu fasses un 6. Si tu gagnes deux tours, ça veut dire qu'on en perd aussi ou pas? À toi, Pierre. Non, mais je suis ravi d'être passé, vraiment. Ah, bah ouais. 1, 2, 3, 6. Celui qui lit est un con. Putain, qui c'est qui a fait des blagues? C'est la version 2012. Hein, c'est... Délivrer tous les joueurs de la fosse commune. Qui ne regarde pas, hein, j'y suis pas. On est plus dans la fosse commune. Mais toi, t'es juste frisé sur ta... Ouais. À qui de jouer? Réponds! Moi, seigneur des clés. C'est lui, seigneur des clés. Je parie que tu veux une clé. Oui. Je parie aussi que tu n'arriveras pas à faire ton numéro pour en gagner une. Allez, vas-y. Hein? Oh, que t'avais répété pendant trois mois, tout ça. Donne tout, Seb. Quel chiffre as-tu fait? 6, seigneur des clés, c'est raté. C'est ton numéro, sale punaise. Oh, attends. Je dire autre chose. Oh, on va se calmer d'un coup, là. On va redescendre dans un pont. C'est ton numéro, je te fais cadeau d'une clé. Sinon... Tu es banni! Allez! Il y a deux mecs à moi qui. Il y a deux personnes qui jouent pas. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Chance! Ah! Mais cool! J'ai les deux moitiés, j'ai deux cartes qui permettent. En gros, je devais trouver les deux moitiés, ça m'a non, fait. Non, 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 il faut que t'aies la pointe de la clé. On est sûr de ça? Ouais, t'as jamais utilisé une clé ou quoi? Normalement, il y a un truc pour chaque tourner. D'accord, mais je pensais que c'était deux cartes. Non. L'autre moitié pour gagner une clé. Okay. Ah, donc t'as deux moitiés de. C'est à toi alors. T'as deux prises pareilles. Après, t'as potentiellement deux clés. Attends, je tente le 6, histoire de. Tu vois? Oh! Bravo! Oh, du coup, je tente. Ouais, tu peux, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À moi. C'est la case de qui? Rien du tout. 3. 1, 2, 3. T'es chez moi, t'es chez Cufu? Cufu. Alors. À qui de jouer? C'est moi! Il n'ose pas jouer, quoi! Moi, seigneur des clés! C'est moi? Comme c'est ton tour, tu vas jouer avec moi. Jette le dé! Tiens. Combien as-tu fait? 2, juge! 2? Mon chiffre, c'est le 5. Ok. Si tu as fait mon chiffre, tu ne joueras plus jusqu'à mon retour. Du coup, bah, du coup, il se bat. Il y a un petit piège, monsieur. Vous l'avez regardé. T'as plus le droit de jouer, Seb. Attends, c'est encore un. Il a fait deux. Ouais, lancez les que prenez toutes ses cartes chance. C'est quoi? Non, c'est si il a fait 5. Oui. Je prends toutes tes cartes chance. Ok, vas-y. Et donc, tu dois faire ça et tu dois faire un 5. Tu dois attendre qu'il arrive pour jouer. Là, t'es banni, là. Il m'a banni? C'est ça? Non, c'est non. Si tu avais fait 5, tu aurais si été interdit de jouer, d'accord. C'est ça? Mais j'ai pas joué encore. Ah bah donc tu peux, mais t'avais fait 2. D'accord. Ouais, t'as pas joué. Deux, ouais. Ouais, mais c'est parce que. Ok. 6. Non, non, mais t'as pas fait 5. Fallait faire 5 pour. Oui, voilà, c'est ça, l'inverse. En fait, t'es banni. Là, t'es banni jusqu'à ce qu'il revienne parce que t'as pas deux. Fait. Parce que son numéro, c'est le 5, t'aurais dû faire 5. T'avais lancé le dé quand il a dit ou pas? Mais non, il me donnait une clé si je faisais 5, c'est ça? Non, c'est plus. Banni, moi j'ai entendu. Ma sentence va apparaître, mais non, je suis banni, ouais. Vous allez jeter le dé à tour de rôle. Okay. Et vous serez récompensé ou puni selon ma volonté. Ok. Ok. 4. Je refais. Ouais. Je sais pas. Ça va, ça va, ça va. 1. Arrête de tout casser. Donc 3. Oh shit. Ok, 3. Oh non, on est banni. Banni. J'ai fait 3, carte destin. Encore. Allez bien sur la banni, faut bien aller sur les. C'est celle d'après. Ouais, ouais, ouais. Il a laissé les règles moins longtemps que le logo du début de la vidéo. Hein. Ouais. Il fallait avoir le faut temps. Faut être le... très. Ouais. Ok. Ah bah c'est à moi du c'est coup. C'est pointu. 2. 1, 2. Y'a quoi là? Là. 4. Prenez une clé si vous êtes le 4. Non. C'est moi le 4. T'es pas banni? Qui ah oui, pardon, excusez-moi. Qui a le droit de jouer là? Qui a le droit de jouer? Toi.
Je vous libère de la fosse commune. Ah bah, je vais jouer là. Pire. T'aurais pas pu le faire quand c'était notre tour. Il y a si peu. Ouais, c'était un poil de temps. Right. Je vais te regarder à chaque fois. Ça dit quoi? Tranquille, faut jouer? Ouais, vas-y. Ça, on dirait un peu un spectacle de théâtre contemporain. Une proposition artistique. Elisabeth, quelque chose? Il y a marqué quoi là? Elisabeth Batory, ouais. Elisabeth Batory. C'est pas. Si, non? Non, il n'y a pas de joueur là. C'est. Ah, si c'était quelqu'un qui était là, il y aurait eu un gage ou un truc. Maintenant, je veux jouer avec l'ancêtre. C'est toi, Fred ? Non, c'est moi. Qui est le plus âgé ? C'est moi, le plus ridé ? Celui qui vous fait pitié ? Qui est le plus vieux ? Réponds ou sois banni ! Réponds ! C'est moi, seigneur de clé. Je vais te poser une question. Sois franc. Ça va être si l'ancêtre ment, tu as connu et que l'un d'entre vous sait la vérité, qu'il le dise sans crainte, et l'ancêtre ira pourrir dans la fosse commune. Allez, l'ancien. Anciens, non. Aucun respect. Quel âge as-tu, hein? 41. Tant que ça. Pas étonnant. C'est un peu le maître d'été qui se fout de la charité, là. Non. Et ben, le même on nombre doit de tours. Te plaindre. J'avais pas le droit. Tu ne joues pas en 42 tours. Maintenant, on va te haïr. Comme je te hais. Allez, vieux débris. Tu le connais personnellement, le dé, monsieur. Mais ne le jette pas avant que je ne l'ordonne. Ok, tu vas prendre le dé. Je veux que tu fasses ton âge exact avec le dé. Ah oui. Ah bah bon, tu chance le avec un autant de c'est un jeu pour les 0 à 6 ans. Avec un mais six-pass. Si le total est supérieur à ton âge, tu recommenceras. Ah oui, c'est fait pour jouer avec un adolescent. Quand le vieux Crouton aura totalisé ses nombreuses années, alors le jeu reprendra. Il faut que tu lances jusqu'à ce que tu fasses 44. 6. Merde, pardon. Si tu regardes pas, ça va pas le faire. 14. 19. 24. 29. 18. 32. 32. Enfin, on descend. 38. 38, oh putain. 3. 42. 38, pile. 42. Je dois recommencer en théorie. Non, il faut que tu atteignes 42. Non, si ça a dépassé. Oui, je fais 42 à la fin de l'année. Voilà, ça compte. Oui, ça compte, ok. T'es dans ta 42e année. J'ai pas 42. Non, tu sais même pas quel âge. Non. Oui, ça compte si, allez. Tu es dans ta 42e année. Exactement, voilà, si ça compte, voilà. Allez, vas-y. On lui sinon, laisse, on va rester ça bloqué. Compte, sinon, mais oui, oui. Ça, c'est fait pour jouer si t'as 15 ans. Mais tu sens que le jeu, on devrait pas être là. Lui non plus, il devrait pas être là, ce jeu. Imagine, tu joues avec ton grand-père, tu sais. 79. 83. 1, 2, 3. À chaque apparition, il fait un AVC. Oh terminé. Réponds, vieux débris. Ah oui, non, t'avais le temps, hein. Tu pouvais être vieux. Tu as réussi à faire ton âge. J'espère que non. Si tu as réussi, tu peux prendre une clé. Oh ouais. Si tu as échoué lamentablement, tu es banni dans la fosse commune. Vous avez deux clés. Où tu moisiras très longtemps. Moi, je t'aurais banni. Oh, c'est toi qui as validé. Tous les trois. Hein. T'as deux clés aussi. Moi aussi, j'ai deux clés. C'est à toi. Donc, je suis le seul à avoir deux clés, quoi. Ouais, ça. C'est ça. Chance. 2. X. C'est une clé ? Non. Non, pas encore. Il faut que je le dise, c'est ça. C'est du one-shot, le truc. C'est si je suis toi, mais ouais. Je suis pas toi. D'accord. Donc, je la remets dans le paquet ? Bah, si c'est marqué sur la carte, oui, sinon tu la gardes. Moi j'avais un truc à faire à 15 minutes 31 mais on l'a eu à 29 et du coup bah ça marche pas. Alors quand tu l'as loupé du coup. Je sais pas si je devais vous le dire ou pas ou. Vous allez jeter le dé chacun à votre tour. Allez-y. Parti. Et ceux qui feront leur numéro prendront une clé. T'as fait 1. 3. T'es ça. Allez, dépêche-toi, j'ai un train. J'ai mon taxi qui attend juste. Allez, voilà, c'est raté. Bon.
Moi, du coup, j'avais fait... J'avais fait un, donc j'avance. Ah, l'irrespect. Oh là là, encore. Silence, ça. Femme. On aurait dû les mélanger, les cartes, je pense. Pourquoi t'en as autant? Parce que c'est que des cartes où je peux pas utiliser, en fait. Moi, j'ai que des cartes où... Moi, j'ai rien du tout. C'est à toi? Je sais plus. Du coup, il fallait faire quoi? Mais je veux bien, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit quoi? Ah, il va nous dire un truc. Joue. Okay. 3. C'est trop tard. Mais je peux jouer? Qu'est-ce qui se passe? Il devait pas se passer un truc, genre le plus petit ou le plus grand fait quelque chose? Non, c'est si t'avais ton chiffre, 1, 2, 3, destin. Okay. Je sais pas, hein, je libère les bannis de la fosse commune. T'imagines, t'étais banni depuis le début, tu ne rejoues que maintenant. Il en a libéré 3 fois. Non, ça revient régulièrement. Ouais, c'est quand même... Le bannissage. Unbad. C'est à toi, du coup. Techniquement, on devrait même pas jouer, vu qu'on est... Ouais, on a été bloqué depuis... On a triché. En fait. Je comprends pas. On s'en fout. Oui, en gros, c'est ça. Il pourrait nous entendre. 1, 2, 3, 4, 5... Le créateur du jeu qui est en train de poster... On peut retrouver cette personne? On peut retrouver ce comédien, là, ou... Je pense qu'il est peut-être décédé. Est-ce qu'on a des traces de cette... Non, je crois que Seb est allé à l'école avec lui, parce qu'il a l'air d'avoir un truc contre... 5, 6, X... Super. Ok. Moi... 3, 1, 2, 3, rien. La musique, on dirait celle de Tintin quand il y a des cauchemars. Tu. Ça varie. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Qui détient le plus grand nombre de mes clés? Oups. Hein? Réponds! J'avais deux. Bah oui, seigneur des clés. C'est vous trois. Oui, seigneur des clés. Oui, seigneur des clés. Ah, tu me nargues. Sois donc maudit. Oui, tout de suite. Après tout, je te bannis dans la fosse commune. C'est un jeu de bâtard, quoi. C'est un jeu pour Pierre. Parce que j'en ai envie. On est tous dans la fosse commune. Parce que je suis le seigneur des clés. Mais du coup, il y avait un malus. Et que c'est mon jeu. Et on fait quand même ou quoi? Tu peux me prendre mes cartes, c'est ça? J'en ai même deux en plus. Faut que je choisisse cette clé. Est-ce que je peux avoir un peu de lumière? On voit rien. Merci. Sinon, vos adversaires s'arrêtent. Qui a fait ça? Lancer la tête. L'écu. Peut-être prenez-lui toutes ses cartes destin, mais que je prends toutes les cartes chance. Ah non, les deux marchent en fait. C'est compatible. Et c'est qui s'est arrêté? C'est moi. Donc tu prends ou les chances c'est ou qui les. C'est arrêté chez toi, c'est moi? Non, c'est moi qui me suis arrêté chez lui, et donc lui il lance l'écu. Tu lances les quoi? C'est moi qui lance? Ouais, c'est moi. Tu passes plus de temps à lire les cartes, à analyser. Tu lances l'écu? Tête, je te donne mes cartes destin. Prenez-lui toutes ses cartes destin. C'est marqué, hein. Je triche pas. Jouer à destin pour changer de vie. C'est à moi de jouer. Et on va finir en toi ensemble. T'as qui de jouer? Bah on est tous en... On est tous dans on la est tous bannis, ouais. Merci. On est tous en prison, ouais. Mais vous, parce que vous étiez les plus... Vous avez des clés, moi je joue encore. Ouais, donc c'est à toi. Okay, c'est ça. Ça, okay. Vous pensez que je suis injuste? On pense rien du tout, seigneur des clés. J'ai été juste avec vous. Non. Il est en train de crever, là. C'est quoi, le Covid? C'est le vaccin, ça. T'as dit filmé aux toilettes. Bien sûr. Prenez un spectacle. Prenez un spectacle, seigneur des clés. C'est un ulcère, là, ça. Ça ressemble à un ulcère. On a les dents. J'ai envie d'être gentil. Vous allez jeter le dé, chacun à votre tour. Vous avez toujours le même jeu, seigneur des clés. Et si vous faites votre numéro... 4. Vous pourrez prendre une clé. T'as fait ton numéro, toi? Quand tu vas avoir ta première porte clé. Qui moisissent dans la fosse commune, ma foi, j'ai une clé. Qu'ils y croupissent encore longtemps. Rien du tout. Voilà. Ça va se faire une partie de atmosphère classique où on finit tous sans n'ayant pas assez. Donc j'étais en train de jouer et je me rappelle plus le chiffre 1 que j'avais fait 6. C'est ouais. Plaisir. Hein. C'est hardcore d'avoir toutes les clés. Ah, de fou. Oui, viens avec nous, il y a de l'ambiance, c'est sympa. C'est dans la fosse commune, c'est ça? Ouais. C'est la fosse commune. Ah oui. Oh, tu viens en visite, vas-y. Bah y'a plus personne qui joue, les gars. Les gars. Ah bah du coup on peut plus jouer. Plus personne peut jouer. Non, y'a que toi qui peux jouer là. Non, il peut plus. Non, il est dans la fosse commune. Ah oui, oui. On est tous à la fosse. Seigneur des clés. Il faut attendre qu'il range quand même une carte. Seigneur des clés. C'est une carte chance qui permet de. Vous avez un coup. Ah si, attends, je peux m'évader de la fosse commune. Et voilà. Voilà. Et je la passe au joueur le plus proche de moi. Tiens, je m'évade. Merci. Super. Ah tant mieux. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
C'est à qui de jouer là? Bah toi. J'utilise la carte. Ouais. Comme ça je sors de la fosse commune et je le file au joueur le plus proche de moi. Ah super, donc je sors aussi, après je te la donne. Ouais, ok. Je libère ceux qui étaient dans la fosse commune. Et toi? Ça regarde. Qui a le plus grand numéro? Réponds, oui, Vermine. Seigneur des clés, c'est moi votre... Je t'ai choisi. Votre sinistre noirceur. Des 12 coups de minuit. Ah. Écoute avec bien. Avec le Jean de quand la cloche commencera à sonner, tu prendras le dé et tu le jetteras 12 fois. Ok, quand la cloche sonne. Hein. Si tu fais ton numéro 3 fois, okay. Tu seras récompensé. 3 fois 6, je dois faire. Tu dois faire, ouais, 3 fois 6. Attends, la cloche. C'est moi, bon, il y a un problème d'étalonnage en cette VHS. Il a dit à la cloche. On est d'accord. Ouais. Donc là, faut qu'on continue de jouer de manière normale. C'est pas une cloche. Non, c'est pas une cloche. Faut que tu joues. T'as joué ou pas? Non, c'est à toi. Tu dois faire. Je dois attendre la cloche. Mais y a pas un truc de jouer trois fois ton numéro? Si. Si, mais je dois attendre quand il y a la cloche. D'accord, okay. La partie continue. Donc je sais plus, c'est à toi. J'ai l'impression de... Ouais, c'est... Non, ça va jouer. C'est bon, ça joue. C'est la carte. Ah oui, c'est la carte. Je suis libéré, donc je joue. Merde. 4. J'espère que je dis pas de conneries, mais il a dit ça dès que la cloche. Oui, je crois. Ok, destin. Destin. Je loupe. Non. À toi. Qui c'est qui fait Khufu? C'est toi Khufu? Ouais. Ok. Ceux qui sont sur une tombe marquée destin, perdez un tour. Et ceux qui sont sur une tombe marquée temps, gagnez un tour. Non, j'ai perdu un tour. Un destin ou un temps, hein? C'est moi. Il y a un destin, ouais. Donc t'as gagné un tour? Non, j'ai perdu un tour, je crois. Donc tu joues pas. Voilà. 2, 3, 4, 5. Super ce jeu. Ah, c'est la musique du stress de la fin de partie, ça. Ah, déjà? On est au début, en fait. On est nul à chier, ouais. Après, ils nous arrêtent tout le temps, c'est... Bonne chance. Du coup, j'ai l'impression que t'as pas fait ton jeu. Ouais, moi, les 12 coups de minuit... Bah non. Je crois qu'il fallait le faire maintenant. Non, il a dit quand il y a la cloche de minuit. Ah, ok, c'est un gage qui sera plus tard. Okay. Si vous êtes le loup-garou, 4, 5, 6, chance. On accélère un peu, 4. Je suis qui, moi? Je suis pas le baron samedi. C'est moi le baron samedi. D'accord. Toi, t'es Anne, je te le rappelle, Fred. C'est très film d'horreur italien. Ouais, on dirait un Dario Argento, ça. Lucio Fulci. Pierre. On dirait. Ah, ça va jouer. Croupi dans la fosse commune. Personne, c'est moi. Je vous offre une chance d'en sortir. Il faut être très gentil avec moi. Jetez l'écu. La queue, vous êtes libre. La tête, vous restez prisonnier. On n'était pas en fosse, si? Non, c'est bon. Continue. Ah, c'est parti, les joueurs. Top pour le Bruno. Yes. J'ai réussi. C'est à qui il va me dire quelque chose, je suppose. Prends ta clé. C'est une clé que je vais récompenser. Le cancre là, qui a le numéro le plus élevé, a-t-il réussi à faire 3 fois son numéro? Et ouais, mon petit seigneur des clés. S'il a échoué, alors son échec libère ceux qui étaient dans la fosse commune. Mais s'il a réussi... Il prend une clé. Il pourrait m'en donner deux, quand même. C'est à qui, là? J'ai joué, je crois que c'est à Pierre. Encore? Non. Okay. Non, tu viens de bouger? Bah, c'est Seb, alors. Moi, je crois que c'est toi, hein. Et du... Prenez une clé. Nous, Fred. À moi. 3. 1, 2, 3, destin. Par une musique de Jean Charpentier Je veux jouer avec le gamin maintenant. Qui est le plus jeune d'entre vous, hein? Réponds-moi. C'est toi, moi, seigneur des clés. La gamine. Quel âge as-tu, vaurien? Je le dirai pas. Dis-le. Écoute. Tu ne devrais pas être seigneur des clés. Dis donc.
Si ça va. Est une proie bien tendre, facile. Mais calmez-vous, monsieur, calme-toi, je ne vous permettrai pas. N'aimerais-tu pas venir me rejoindre? What the fuck? Heureusement que t'as pas de blouson. Papy Whisky. Gérard, c'est toi? Tu devras faire ton âge exact avant mon retour. Tu peux essayer autant de fois que tu veux. Vas-y. Tu penses gagner? J'en doute. Je vais revenir te punir très bientôt. Il fait avec 2D. Pour moi, il y a un mec déguisé, il arrive. Ça se trouve, vous avez prévu ça, vous nous le dites pas. Je vais surveiller la porte maintenant. Faut que je fasse 34. Hein. Ah, 5. J'avais tablé sur 25, je suis déçu. C'est bien. Attends, t'es pas bouger. Ouais, allez, non. 26. Je m'arrête là, c'est bien. Non, mais t'as pas 26 ans. Non, mais j'ai pas 26 ans, évidemment, j'ai pas 26 ans. Tu t'en souviens, t'es 26 ans. On n'est pas dupes. C'était bon. J'ai. C'est bon. C'est vrai? Oui, je te semblais que j'ai. Réponds-moi. Oui, c'est moi, c'est moi. Dis-le bien fort ton âge réel. Oui, seigneur des clés. Tu peux prendre une clé. Oui. Mais si tu as échoué. Au revoir, mon petit. On dirait un peu. Bon voyage dans la fosse commune. Là, il y a un gars. Je suis pas là, tes papy. Ouais. Spécial dédicace à Guy Montagnier s'il nous regarde. C'est à Guy. De là où ou d'en bas, je sais pas. Je sais pas à qui. Je sais pas à qui c'est de depuis jouer. Les tribunes. Ah si, je venais de jouer quand il a, quand il a parlé. Ok. Donc c'est à Pierre. Ça te met dans le stress ce jeu. Toum, toum, toum. Eh, la musique, elle commence à changer. 5. Parce que tu sais pas à qui c'est de jouer. Le vrai stress. 3, 4, 5. Là. C'est deux, ouais, je suis pas sûr, moi, celle-là, elle m'énerve. Je sais pas. Moi, je fais deux depuis tout à l'heure. Moi, je fais deux depuis tout à l'heure aussi. Ouais. Prenez une carte. Si vous êtes le 3. Je suis le 4. Il me fait une belle jambe. 1. Elisabeth Battery. Donc, il nous reste encore un quart d'heure, c'est tout. Putain, ça va vite. Ça va vite quand on s'amuse. Je vous libère de la fosse commune. Encore ? Ah, attends, c'est moi. Alors, non, il m'a pris les cartes destin. Que tête. Je peux t'envoyer dans la fosse commune si je fais tête. Ok. Je peux te prendre tes cartes temps si je fais que, et tes cartes chance si je fais que aussi. Vas-y. Tête ou que? Tête. Ilgue que. Que. Et du coup? Je prends toutes tes cartes chance et toutes tes cartes temps. Ah vraiment? Ouais. Ton portefeuille aussi, est-ce que t'as fait même? Ainsi que ton numéro de carte. Ceux qui ont un numéro impair jettent le dé chacun leur tour. Impair, lancez le dé. S'ils font leur numéro, moi aussi. Ils prennent une clé. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, 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 ouais. Non. Ok, let's go. Ah, Zubé. Non. Non, c'est à qui? Non, c'est pas de qui t'as laissé chez toi. T'as plus de musique. Je prends tout, allez. On débarrasse ça. C'est à toi, si vous êtes le zombie, bah oui, je suis pas lui, là. Bah si, je suis moi. Pardon, hein. C'est à toi, du coup, ouais. Okay. Oui, t'es le baron samedi, les zombies. Bah ouais, mais pourquoi... Ah non, c'est moi, c'est Hélène, le zombie. Hein? Toi, t'es juste un baron. Je sais pas. C'est à moi de jouer. Attends, je viens de faire 5. Ceux qui ont un numéro pair jettent le dé chacun leur tour. Ok, donc Fred et moi. Ça... Ouais, vas-y. S'ils font leur 5. Numéro, non. Ils prennent une clé. Ah. Oh. Et 5. Raté. Donc on. Il n'y aura jamais. Combien? Max 3 clés là. Vous êtes 3-3. Il reste 12 minutes pour faire la moitié. Il y a 2 pour chacun. Qui c'est qui a 3? Ah, t'as 3 clés, c'est toi qui gagne. Après, à la fin, ça s'accélère. Hein. Ah ouais. Je pense que t'as autant de chances d'en perdre que d'en gagner, je crois. D'accord. Je suis pas le numéro 4, en fait, ça sert à rien. Je pense que c'est truqué, ce jeu. Ben, c'est à toi, c'était à moi, ok. Par contre, là, il faut aller vite, parce que... Allez, il moins de 10 minutes, toi. 1, 2, 3, destin... Toi, celui qui va jeter le dé, réponds-moi. Ah oui, monsieur des clés. Regarde-moi, vermine, oui. Regarde-moi. Ne détourne pas ton regard. Tu vas me regarder droit dans les yeux. Ah non, c'est le jeu et de merde. Me fixer jusqu'à ce que je disparaisse. Oh, shit. Ne cligne pas des yeux, peu importe. Fais gaffe, il y a si tu clignes des yeux, rien qu'une fois, tu m'auras dévoilé. Regarde de l'autre côté, comme ça on le voit dans la caméra. Et je te prendrai. Regarde la caméra. T'as cligné, t'as cligné. Seb, regarde la caméra. Attends, c'est à partir du moment où c'est. Okay. Coucou. Non, là-bas. Regarde la cam. Sale cloporte. Moi, je vérifie, hein.
Je vérifie. Soufflez-lui dans le visage. On va avoir un zoom sur. T'as cligné là un peu là, non? Non, j'ai vacillé. T'as cligné, t'as vacillé, mais. Osiris et Parapis, tu es un sanglier. Regarde-le, Pierre, fais-lui des grimaces. J'ai envie. Regarde-le, Pierre, fais-lui des grimaces. J'ai envie. Voilà. Pas mort. Osiris et Parapis. Papa, t'es où? Non, mais t'as cligné là, Seb, t'as cligné. Non, mais non. T'as cligné, arrête. Non, je veux juste du clignage. Ah! Non, ah, non, t'as cligné, non, non, elle a taquillé deux. Il a triché, il triche. J'ai mal aussi, je pleure, donc c'est pas possible. Il triche. J'ai mis des gouttes avant de venir, je suis imparable. Non, il triche. Je crois qu'il s'est endormi. C'est trop. En vrai, il... Il a cligné, encore une fois. Non, il est solide, Non, mais je vois, je suis en face de lui. Ouais, ça cligne de ouf. Il arrête pas de cligner. Ça fait 8 fois. Ça fait 8 fois, c'est horrible. Là, encore une fois, mais non. On n'arrête pas, il n'y a pas de limite. Là, mais non, mais de bon. Il a perdu 6 tours, là. C'est 6 fois, c'est quoi? C'est un record du monde? Non, c'est pas. Non, mais il a regardé encore une fois, c'est imperceptible. Il y a une caméra. C'est des légers espaces. C'est des. Oui, oui, non, mais la caméra. Non, il a des bon. Je pleure et tout. Non, mais il y a pas. Tu pleures parce que le jeu n'a pas de fin. La caméra, je veux un best-of de tous les clignements des yeux. Il est parti où? Je crois qu'il est parti chier. Non, mais c'est fini, maintenant on peut arrêter là. Il faut rester. Il a dit jusqu'à ce qu'il se barre. C'est bon là. Tu peux arrêter, ça. Oh, il est bloqué. C'est bon, c'est à moi, c'est à qui là? Il revient, on fait quoi? Non, mais non, c'est bon, c'est fini, il a oublié. Tu sais qu'il est un peu fou ce monsieur. C'est vrai. On vous rappelle de consulter un médecin si ça veut être instable aussi. Oh, si, À qui de jouer? Réponds-moi! C'est fini, Seb! Tu es un déchet, n'est-ce oui, pas? Oui! C'est vrai. Oui! Réponds-moi! Me dis ma maman. Oui, je suis un déchet! J'aime bien les petites souillures de ton espèce. Merci, maman! C'est bon sous la dent! Allez! Jette le dé, espèce de lard! J'arrive pas. C'est fini ou pas? Lance 4 fois. C'est fini, Seb. Et si le total est un nombre pair, alors il est temps de remettre les pendules à l'heure. Tu es banni. Quoi? Attends. 9. Mais 9, si le total est impair, 10. Tu peux prendre une clé. Allez. Ah, 4 clés. Let's go. Plus que 9 minutes, waouh. De quoi il a fait 10? C'est pair, du coup c'est pas... C'est pair, donc il est ban. Ah mais non. Mais oui, c'est un père, t'as une clé. Mais oui, bien sûr, c'est père. Oh, quand même, c'est Starnac. Vous allez jeter le dé, chacun. Non, il a raison. C'est un père. Et vous serez récompensé. Père, ok. Selon ce qui est écrit. À vous. À moi. 3. 3 chances. Du coup, j'ai gagné un truc ou pas? J'ai rien compris à ce sujet. Déjà, t'as continué 5 minutes après qui. Attendez, il y a un truc là, il s'est passé. Je sais pas. Il y avait des chiffres liés avec le dé. À toi. Tant pis, écoute. Ou juste on tire les dés en tournant en rond. On n'a pas le temps. C'est combien de choses? On n'a pas le temps. J'ai raté des rendez-vous. T'as raté des rendez-vous. 3. Non, je suis dans la fosse commune. Je vous libère de la fosse commune et nous allons jouer à un nouveau jeu. Tant. Ça s'appelle Anarchie. Oula, il y a eu un... Ah, c'est pour moi ça. Alors, à 5 minutes 30, je manque des choses. Il va pas bien, je crois qu'il y a... Numéro 1, réponds. C'est qui le 1? J'exige que tu fasses 1 avant de rejouer. Y'a pas de 1? Y'a pas de 1, calmez-vous monsieur, y'a pas de 1. 7 minutes, faut se dépêcher. Et vous suivez la c'est partie? C'est la fin, 4. 4, c'est le toi, c'est le 4, blanc. C'est moi, okay. 4. 1, 2, 3, chance. Si vous numéro êtes... 2, réponds. C'est pas moi. J'exige que tu fasses 1, 2 avant de rejouer. Ouais, on fait comme si vous n'êtes pas là monsieur. 2, 2, 2. Temps. Temps. Je sais plus quoi faire. À 4025, même si c'est pas votre toit. Oui, seigneur des clés. J'exige que tu fasses un. Faut que je fasse un truc à 4025. Je range du coup. Non. Avant de jouer des clés, je joue pas, c'est ça? Je sais pas. Je sais plus. Moi j'ai fait un croix. Je sais plus comment je m'appelle. Je joue plus. C'est fini. Numéro 4. C'est fini. Ah, c'est moi. Oui, seigneur des clés, c'est moi. J'exige que tu fasses un 4. Attendez, j'ai une clé. Ok, je vais faire un 4. Vas-y, prends-la. Pas de problème, fais-moi 4, chérie. Je mets un pont.
5. Numéro 5, réponds. Oui, seigneur des clés. J'exige que tu fasses un 5 avant de rejouer. C'est vraiment un pervers narcissique, voilà. Cet homme. Allez, ça va. Qui tu es là? Jean-Pierre Foucault. Bonjour, je me suis trompé de plateau. C'est à qui c'est que ça va? Réponse. Pense à moi. 6. R2, allez, on a tout raté. 6 avant de rejouer. Non. Vas-y. Quoi? Tourne, faut que tu fasses un 4. Sinon, oui. Tu joues pas. Ah, vas-y, bon, bah tu joues. Je joue. Tu joues, allez, vas-y. Ah non, je relance maintenant. T'as fait un 4 et maintenant tu joues. Oula, il est pas de vie. 1. À qui de jouer? Réponds-moi. On sait pas. C'est pas si. J'ai gagné un tour, ok. Mais tu bah, joues deux fois. Attends, tu joues deux fois. Vas-y. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Encore. Encore. Ah non, mais je peux pas jouer. Je comprends. Je comprends pourquoi ça n'existe plus. 1, 2, 3. Ça a bien marché ce jeu ou quoi? Qui de jouer? De jouer. C'est fait. Tu perds. Mais je joue pas déjà. C'est à moi. Mais n'importe quoi. Et les sauts de dés. Je peux pas jouer. Ça fait quoi dire le X? Pierre, c'est à toi. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait c'est le rien fait rien. Ou trois. Où est l'ancêtre? Oui, je suis là. D'abord. Réponds-moi. Oui, seigneur des clés. Jette l'écu. La tête, tu es banni. La queue, tu reçois une clé. Vous commencez à devenir vulgaire, monsieur. Tu es banni. Tu es banni. Personne ne joue, allez hop. Le jeu du banni. Moi, je dois faire un truc à 46 minutes. C'est vraiment... Tu peux pas jouer, c'est ça? Moi, je peux pas jouer, faut que je fasse un 6. Bah, fais un 6. Voilà. Je veux encore jouer avec le gamin. Oh, allez, ça... Ah, bien sûr, misogyne et... Oui, seigneur des clés. On va jouer pour de bon, cette fois-ci. Vous me faites peur, seigneur des clés. Oula, ça fait peur. Ah oui. Jette les culs. Ça, c'est un problème de transfert, ça. Ça, c'est le sport. Problème d'export. Il a dit quoi? La tête, c'est une clé. Et la queue, il se passe quoi? T'es banni, je crois. Heureusement qu'il y a un escape game. T'es banni? T'as une clé? Vous allez jeter le dé chacun à votre tour. Et putain. Vite! Okay. Celui qui fait le meilleur score reçoit une clé. Ah, oh. Oh, mais 3, c'est bon. Il a vraiment le cul bordé de nouilles, comme on dit dans, chez moi. 3. Oh putain, mais putain! Ah, mais c'est bon, ça fait mal! Un. C'est à qui? C'est à toi? J'ai fait un 3, donc je peux jouer! Non? Allez! 5. T'es où? Là. Là. Touche de face? 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes là, vous délivrez tous les joueurs de la fosse commune. Yes! Ah, cool. Chacun de vous va jeter le dé. Encore? Celui qui fait le meilleur score reçoit une clé. Oui, c'est ça. Si, si, tiens, c'est à toi de jouer. Si, si, c'est une clé. Putain. Allez, je suis bien arrivé dernier. 5, allez, relancez tous les deux. Pourquoi? T'étais cassé normalement. Ah, ok. T'as fait 6. Jouer, réponds-moi. C'est une clé? Attends, on n'a pas fini. Attends, une clé. On joue carte sur table. Mais non, t'es pas le blanc, t'es le rose. Ah, c'est moi le rose. Maintenant, toi et moi, on va faire un petit poker. Il parlait de qui? Je sais pas. Oh, le jeu. Ce qui va jouer. Sur le dessus de la pile cauchemar. Si c'est ton cauchemar, tu perds toutes tes clés. Toi? Tu vas perdre de toute façon. Oui, c'est toi. C'est à moi. Mais oui, c'est sinon, moi. Si tu perds tout, c'est moi. Sous le paquet et ramasse toutes les clés qui te manquent. Donc, si c'est ton cauchemar, tu perds toutes tes clés, sinon tu gagnes toutes les clés qui te manquent. Ok. On t'a mis. Non, c'est juste. C'est pas le même. Si on s'en fout, c'est pas le même. Donc, tu perds toutes tes clés. Non, je gagne toutes celles qui sont pas moi. Je sais pas. Ah, mais arrête d'inverser les règles selon. Non, je gagne celle qui me manque. Il faut expliquer que oui. Alex a fait ça. C'est parce qu'elle elle a un problème neurologique. Et il faut la comprendre. C'est parce qu'elle a une carte qui dit qu'à 57 minutes 01, elle devait hurler. Et ça n'a fait sursauter personne. Si je vais gagner tous nos cartes. Mais moi c'est pareil, je te rejoins là-dessus, je devais rire comme un con tout à l'heure. C'est pour ça que t'avais fait ça. Oui, bien sûr, quelqu'un dit, mais pourquoi tu rigoles? Ça n'a pas marché non plus, donc c'est pour je te rejoins. C'est pour ça que je te regarde dans le fond dans les mains. J'attends de en train de mourir là, j'en ai. Celui qui fait le meilleur score ramasse toutes les clés. Ça c'est la clé. Allez, on lance tous. Toutes les clés qui nous manquent. Ouais, vas-y. 6. Mais il les a toutes déjà. Ouais, je sais. Non, pour les autres. 5. Après, voilà, si quelqu'un fait égalité. 1.
3. C'est qui a gagné? Bah c'est lui. Mais non, mais lui il a déjà toutes les clés. Moi j'ai 1. Non mais c'est t'as qui a entre il reste 3 minutes. Je sais pas, t'as fait combien? Je sais pas. Moi j'ai fait 3, moi j'ai fait le moins. Toi t'as fait 1. Moi j'ai fait 6 moi de toute façon. Ouais, c'est moi. Bah allez, j'ai gagné. Ah, les tricheurs, c'est tellement très regardé. Quand tu organises pas l'émission, t'as 2 clés. Quand tu fais l'émission, t'en as 6, tu les as toutes. Bon bah c'est foiré, je pense que là... Ah, c'est pas fini. Y'a qui jouer. Sauf qu'on attend des épisodes. Qui a eu toutes les enfants? Vous l'entendez hurler? Qu'est-ce qui se passe? Y'a qui? Je sais pas, moi je suis cyclé, j'ai gagné. Voilà. Mais je sais pas, vas-y. Normalement, faut aller... Ouais, faut aller au milieu, en fait. Faut aller au milieu, c'est à qui de jouer. C'est à qui de jouer. Ouais, ça, on va dire ça à toi. Personne n'a envie de crier maintenant. Fais deux. Deux. Destin. C'est fini, bande de larves. Vous avez perdu. C'est la fin de mon jeu. Sauf vous deux, quoi. Mais non, il fallait qu'ils arrivent au centre. Non, il fallait arriver au centre, on a tous perdu. Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Envie d'essayer un nouveau jeu? Elle dit la pub. Oui, je suis une société avec cassette vidéo, atmosphère revient en force. Du coup, c'était Nico avec qui a dit ça. Terrifiant, avec plus d'atmosphère, avec plus de traitement de choc, plus de frissons. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Samedi, zombie, atmosphère. Il a retraite. Eh bah, c'est super cool. Ah ouais. Ben voilà. L'année prochaine, voilà. Le jeu existe, voilà. C'est atmosphère. On enchaîne, on fait la suite. J'aimerais qu'on le refasse dans notre temps libre. J'ai, ouais. Pour voir les cauchemars. Est-ce qu'on dit les cauchemars cassette. Ou pas? Ouais. Est-ce que. J'ai pas compris le cauchemar que j'ai lu. J'ai vu que c'était pas le mien, mais j'ai reposé directement. Pourquoi? J'ai vu un acronyme à la fin. Ah, est-ce que c'était. Attends, tu l'as mis au fond? Est-ce qu'on les... Non, je l'ai remis au-dessus. J'ai remis au-dessus. Il fallait que je le remette en dessous. On peut ou les pas découvrir sans dire à qui ils sont. Oui, bien sûr. Parce que du coup, j'aurais pu gagner, c'est un peu la triche. On vous laisse deviner à qui appartient les cauchemars dans les commentaires. Je sais pas. Alors, ça, c'était le mien, effectivement. C'était un prélèvement de la Direction Générale des Finances Publiques. Et ça te pend au nez? C'est ça. C'était. Voilà. Ça te pend au nez, Dieu sait que j'ai peur à chaque fois que je vois un mail passer de chez eux. L'URSSAF, c'est ça que t'as marqué? Alors, si je peux me permettre, il y a écrit un connerre et non pas un concert, mais je pense que c'est un concert de Christophe Maé. D'accord. Oh, oh c'est qui? C'est moi. Oh, c'est mignon comme cauchemar. Vous avez jamais assisté à un concert de Christophe Maé? T'as assisté, toi? C'est pour ça, oui. C'est vrai? Non, j'ai vu la télé, mais jamais de ma vie. Non, oh, mais t'es méchant. Possible. Non, mais t'aurais pu mettre la pièce de Matt Pokora, tu vois. Ça existe. Ça existe. Ouais, pas longtemps, mais ça existe. Cindy 2000. Non, mais on l'aime bien, Christophe. En hommage. Il veut jouer à Atmosphère avec nous. Quoi? Je ne sais même pas qui c'est. Est-ce que je veux lire le suivant? Est-ce le que c'est suivant ou pas? Paralysie du sommeil. Ah, ça c'est bien écrit. Ça, c'est vrai. T'es c'est pas toi, ouais, c'est bien. Toi. C'est vraiment un vrai cauchemar? Ça, c'est le genre de truc qui me réveille en panique. Ouais. T'étais dans ton sommeil et. Christophe Maé chante devant toi. T'as envie de te défendre, de bouger, mais tu peux pas. Et on s'abandonne. Sur le pied de ton lit. Personne ne t'écoute, t'as remarqué. Non, mais tu es là, je vois ton regard attentif. Vous pourriez l'écouter quand même, bande de mascu là. Qui donc? Moi, je m'inspire les gens. Ouais, tu le dis pas à Vox, ça va. Yann Moix. C'est qui? C'est un c'est truc vrai qui me fait peur aussi. C'est le comment? J'allais dire le Citizen Kane, mais non, pas du tout. Je vais y arriver. L'inverse de Citizen Kane. Exactement, si français. Exactement, avec son documentaire sur Depardieu. Magnifique. Bon, bah en tout cas, bon, alors du coup, on a tous perdu. Hein. Orson ouais. Welles, voilà, j'ai on a tous perdu, mais tous ça va tellement vite. Ça va super vite. Ça va super vite. C'est vous avez hein gagné, vous avez toutes les clés. C'est quand même mais sur la fin, il les donne un peu comme ça. Ouais, il y a un plus un, deux. Mais moi, tu sais, il y a des trucs genre, des fois, je comptais deux cases, puis une, puis. Je suis sûr, les gens à la VOD qui vont regarder ça calmement et sans la panique, ils vont se dire, attends, lui, il a joué quatre fois d'affilée. Plein de fois, t'as fait des gestes magnifiques où t'as inversé les règles pour te faire gagner à la fin. Ah, mais voilà, donc un père, c'est gagné. Non. Non. Franchement, je jure que j'ai pas. Ton cerveau il a dit laisse-moi, je vais te j'ai pas essayé. On va tricher là, hop là. C'est juste comme une torture mentale toujours en fait. Puis, deux trois fois on l'a même pas entendu en fait. On lui a manqué de respect grave à cet intermittent du spectacle. Oui. On a pas du tout écouté ce qu'il avait à mais dire. Mais il y a plein de fois où genre moi je suis sûr on a joué trois fois d'affilée. Enfin, non. C'est, quand même. Mais oui, on a. Je suis sûr, les gens dans les coms ils vont noter le nombre d'erreurs qu'on a fait. Faut compter le nombre de fois on s'est dit c'est à qui de jouer. Ça devrait s'appeler
comme ça, c'est à qui de jouer? C'est à qui de jouer? Chez... Stop! Avec le vieux sage, quoi. Non, parce que t'étais tombé sur ma tombe, donc il y a eu... Il y a ce problème aussi de... Quand t'as commencé à jouer, mais que t'es pas vraiment fini, c'est à qui? C'est à toi? C'est Alzheimer Fear, quoi, tu vois. Et surtout que là, voilà, quand t'as 10 cartes, tu dis, attends, j'ai 10 rendez-vous cette semaine au tournée. C'est compliqué. Ah, je dois rigoler. Parce que c'est vrai que du coup, on lisait pas les cartes parce que c'est censé être des trucs secrets. Mais donc, c'est pour quand toi, tu te mets à hurler. Mais c'est pour créer un effet, quoi. Ouais. Ah, oh, oh, oh. Ça va, c'est... Mais j'aurais gagné, t'aurais fait ça, ça aurait marché. Non, j'ai pris un vent de ouf. C'était merveilleux. On était tous dans la panique. Ouais, je sais. Parce que tu l'avais lu, la carte. Une oui, je l'avais lu. Mais ça, en fait, ça m'a pas surpris. C'est juste dans ma tête, j'étais en train de me dire, attends, c'est à qui de jouer. Et au bout, il y a 3 secondes après, je me suis dit, mais pourquoi elle a fait ça? On pourrait le faire tous les ans. Ils sont jamais gagnés. Un cafard, t'es dans les locaux, toi. Qui a eu très peur? Ah non. T'as eu peur? Ah non. Bon, attends, bah, non, c'était j'avais bien, pas ouais. ce souvenir-là, en fait, de ce jeu-là. Tu vois, ouais. Quand j'étais gosse, ça me faisait t'abuser. Un peu. Ouais. Tu vois, on se mettait un peu dans l'ambiance. J'étais gamine. Tu peux y croire, tu vois. Ouais. Tu sors du Père Noël, t'arrives dans l'atmosphère, t'es bien. Mais là, non, j'ai pas eu peur. Non, mais faut dire que les trucs de fais ton âge en nombre de D6. Ouais. Oui, faut ça, que c'est pas cool, not cool. Il reste 7 secondes pour arriver à 42. Eh vite! Comment je m'appelle? Le seigneur des clés? C'est pas cool. Regardez-moi, baisse les yeux, regardez-moi! Oh. Est-ce qu'on peut simplement rendre un hommage au regard de Seb? Qui a continué l'épreuve après. Mais il a cligné au moins. J'ai pas compris, je suis sûr que je devais avoir gagné des clés, des machins. Pour la baston de regard, faut un regard en fait en face. Après, on a plus jamais reparlé de ce truc. Non. Il a plus jamais évoqué le gage. Il a vu que ça l'a fait marrer. Il a dit, ouais, mais... ouais, je reparle plus jamais de ce truc. Il faisait pas de voix. Merci pour les clés. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Avec grand plaisir. C'était bien, hein. Bien sûr. C'était rigolo, en tout cas, on a bien rigolé. Et peut-être pour une prochaine, parce qu'il y a plein de versions d'Atmosphère, je crois. Ouais, mais rien qu'avec ce plateau, on peut jouer 3 premières versions. Donc, d'accord. Je suis chaud. Si vous voulez plus de plaisir. Je me demande s'ils ont corrigé le truc de la panique pour que ce soit un peu plus jouable, parce que... Non, mais après, on est générateur de panique, nous aussi. Oui, c'est vrai. Donc, ça va être complicado. Je sais pas. Après, il y a des maquillages qui sont impressionnants dans les tuyautés, qui sont vraiment... Ça c'est vrai coup ouais. Pas celui-là. Il y a du jeu aussi. Il y a les comédiens. C'est ouais. pas C'est que de la LED. Il a pas une once de maquillage. C'est des copains intermittents qui c'est font le la... C'est que ça change. En plus, t'as l'impression qu'il pourrit, puis après, non. Puis ça ouais, non, un ouais. C'est toi qu'ils ont oublié de tourner les trucs. Ils s'en suivent dans ma décomposition. Je sais pas. Le bleu du jaune. Je me rappelle encore de ta suggestion dans le train, la transformation du vieux JDG, du vieux JDG qui se transforme petit à petit, tu vois. Qui maigrit. C'est un bonus. Putain, faudrait le faire en... Après, on a les time codes, on a le temps de la cassette. Ouais. On pourrait reproduire tous les faire des fous, jouer à des ouais, fous. Il y a un potentiel de fou sur ce jeu. Bon, bah, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire. Hein. Si ça vous a plu, on en refera d'autres. Peut-être sur d'autres jeux, peut-être sur d'autres versions d'Atmosphère ou peut-être sur d'autres jeux du même concept. Parce que je sais qu'il y a eu même des versions Star Wars là-dessus. Enfin, il y a eu plein d'autres trucs. Des bisous, salut et à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao ciao. Bye bye.